offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. Disposons-nous pour l'action de grâce. Ce matin, je sens vivre mon corps et je te bénis, mon Dieu. Le soleil chauffe ma peau et je te bénis, mon Dieu. Ta présence est partout, derrière moi et devant moi. Je suis dans la joie, Seigneur. Avec les psaumes, je chante ton amour. Avec toi, tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et Pâques, c'est l'Ascension et la Pentecôte. Sois béni, Seigneur. Amen. Prenons un temps de silence. Et maintenant, le psaume 96. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola, les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutiennent également en ce jour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.